guérisse tes blessures, noble seigneur. Assez vite! N'approchez pas! Dio del cielo! Il va blesser quelqu'un! Pitié! Prenez ce que vous voulez! Signore, j'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la Seigneurie. Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée. Allez-y, ne traînez pas. On compte sur vous. J'ai rien à voir avec ça, par pitié, laissez-moi partir. Encore toi? Tu es toujours vivant? Garde! Éliminez-le! C'est déjà... Attendez, où est-il passé? Personne ne viendra. Il ne reste plus que nous. Sois maudit! Puisses-tu brûler en enfer! Ne t'approche pas de moi! Ah.
chance de passer. Hors de mon chemin! Maintenant, c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Pour le peuple et la liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Francesco. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arno. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles, la tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo De Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste ? Non. Ils ont tous disparu. Tous ? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex ? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco De Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger.
genre d'exercice ne me ferait pas de mal. Respectez les autres, Dion. Ne soyez pas timide, je suis là. En cas de besoin, non, vous savez où me trouver. À ceux qui trouveraient mes arts. Ciao, signore. Ragazzi di seta! Il è bizarre. Venez, mes amis, j'ai des sangsues toutes fraîches. Ezio, Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco? Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça alors... Je vois... Ce sont les plans d'une autre lame, qui injecte du poison. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis une nouvelle fois redevable. Ce n'est rien, Ezio. C'est normal. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave. Idéal pour le foie. En cas de besoin, je suis là.
Approchez, approchez. Ah, j'aurai peut-être quelque chose pour vous la prochaine fois. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage! Ezio! Je t'en prie, approche! De nouveau un tel honneur! Ezio, je t'en prie, approche.
De nouveau un tel honneur. Ezio, je t'en prie, approche. J'ai quitté Florence à la demande d'Il Magnifico pour m'occuper d'une affaire non réglée. Je dois trouver Jacopo de Pazzi. Ah, toi aussi. Nous l'avons cherché sans succès. J'ai ici quelque chose qui devrait nous aider tous les deux. La liste de tous les conjurés. L'un d'eux parlera forcément avant de mourir. Excellent. Les complices de Jacopo ne peuvent plus compter sur ce dernier pour les cacher. Nous les trouverons sans coup férir. Je vais demander à mes éclaireurs de partir sur le champ. Merci pour votre aide, mon oncle. Tenez, j'ai également ceci pour vous. D'autres pages du Codex. Ah, voyons ce qu'elles nous apprennent. Comment ça? Quel prophète? Vous avez trouvé quelque chose? Encore une de ces maudites énigmes. Ce texte ici peut se traduire par « Seul le prophète saura l'ouvrir ». Il fait référence à deux fragments d'Éden. Ces pages n'apportent aucune réponse, Ezio. Tu dois en trouver d'autres. Il nous manque encore des éléments. Je crains de devoir m'y atteler plus tard, mon oncle. J'ai une autre mission qui m'attend. À ta guise. Ceci étant, si tu as l'intention d'affronter ces traîtres, tu devras d'abord apprendre deux ou trois choses. Retrouve-moi sur la place d'armes. Dis-moi, Ezio. Tu as déjà appris à contre-attaquer. Mais que faire si ton adversaire a lui aussi recours à cette technique? Je fais toujours en sorte de ne pas lui en laisser l'occasion. Ne présume pas de tes forces. Contre les Templiers, il ne faut rien laisser au hasard. Puisque vous le dites, maestro, montrez-moi ce que je dois faire. Puis esquive. Et... Oh!
Dépêche-toi de mourir. Je commence à avoir... Tu vas aller rôtir en enfer. Allez, recommence. C'est beaucoup mieux. Une dernière fois. Bravo. Ah, dépêche-toi de mourir. Je commence à avoir soif. Voilà, essaie de le refaire. Encore une dernière fois, Ezio. Magnifico! À vrai dire, je n'en attendais pas moins de toi. Signore, ça y est. Nous avons trouvé les hommes de Jacopo. Vous n'avez qu'un mot à dire. Que ce soit bien clair, personne ne bouge tant qu'Ezio ne leur a pas parlé, compris? À vos ordres. Pars, Ezio. Va rejoindre mes hommes dans la campagne. Les complices de Jacopo te mèneront peut-être jusqu'à lui. Mais sois prudent, ils seront aux aguets. Je ne sers que l'élite. J'ai aussi de nombreuses activités.
En ce cas, à bientôt, mon ami. Venez, mes amis, peu importe. Je comprends très bien. J'attends une nouvelle livraison, de toute façon. Je connais, lui. Merde, ça me fait penser à... C'est... Il est là! Allez!
Il est là! Allez! Il est là! Passi! Onzo! Thank you.
chef, il est là. Allez. Mais où est-ce qu'il est pas? Il est là. Allez.